Et c'est reparti avec Martha Argerich dans le concerto en la mineur de Schumann et dans le burlesque de Richard Strauss. Vous êtes dans les anniversaires du jour. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 11 juin. Et comment choisir entre notre version préférée du concerto de Schumann avec Dino Di Patti sous la baguette d'Herbert von Karajan, ou alors Martha Argerich avec Charles Dutoit, ou alors Hélène Grimaud avec David Zinman. Et tiens, justement, il y avait le burlesque de Richard Strauss et on l'a écouté évidemment cette semaine dans la formidable série d'arabesque de François-Xavier Simchak. Le burlesque, on va le retrouver aussi dans la tribune des critiques de disques le dimanche 20 juin 2021 et ça, on en est ravis. Alors, c'est avec un autre morceau et vous allez reconnaître le violoncelle de Frédéric Lodéon avec Daria Ovora au piano. C'était un choix de Aurélie Moreau pour un excellent Van Beethoven consacré justement au compositeur Richard Strauss. Bon anniversaire à ce grand compositeur également, à Jean-Yves Cousteau, aux écrivains Jules Vallès et Yasunari Kawabata, au comédien Gene Wilder, à l'inventeur de la carte à puce Roland Moreno, regretté Gilles Verland, journaliste chroniqueur absolument passionnant, et plus près de nous, Hugh Laurie ou Peter Dinklage ou Shia LaBeouf, côté cinéma et côté sport, Jean Lézy, Christophe Lemaître ou Julien Lafilippe, et c'est également l'anniversaire des Mignons. Vous voyez, comme quoi, on peut tout fêter avec Gérald et Olga. Till Lohenspiegel, ça c'est dans les cordes sensibles qu'on vous recommande, c'est chaque dimanche avec Marina Schiche, et c'était là aussi il y a quelques jours. Mais comment ne pas fêter la grande Christa Ludwig? Ça c'est évidemment un choix de Lionel Esparza. C'était malheureusement ce printemps pour rendre hommage à la grande chanteuse disparue qui était à l'affiche d'un disque de légende. Bien sûr, Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss avec Herbert von Karajan. Et c'est son tube. 2001, l'Odyssée d'espace, rendu célèbre par le film de Stanley Kubrick, ainsi par les Zarathoustra. Bon week-end, à demain! À demain!